Oui, pour la bâtiment, on a besoin de formation supplémentaire, de formation professionnelle. Il y a ma la formation professionnelle, il y a bien. On a informatique, et puis infographiste, tout ça, la web, développement web, designing. Nous sommes là, je suis là. Tout ça, nous sommes là, il y a Afrique du Sud. Je suis diplômé en informatique, IT, et puis je suis diplômé en multimédia. Alors, na pesara cours, il y a infographie, logiciel y a Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, et puis Acrobat pour na bato sur la infographie, et puis na kati ya monde y a web development, le développement de web. Na do sa la Dreamweaver, et puis programme sociaux ali il y a coding, en fait, tout le travail langage est belé comme HTML, CSS, comme basic, il y a site, et puis tout le travail dans jQuery pour les interactivités, et puis tout le travail dans JavaScript pour la juste interactivité, et puis pour créer un site très robuste, et puis tout le travail dans PHP comme langage de développement, tout le travail dans MySQL comme database. Et puis toujours travailler sur un logiciel où ils allaient prendre le content management system comme Drupal et puis Joomla. Alors dans ça tout ça pour créer websites, tout ça pour créer content management system, tout ça pour créer applications comme Facebook ou les autres applications ou WebBaby, tout ça pour customiser en gros. Et puis tout ça là moi va servir ces belles liens vous allez lier sur l'internet, et puis lier sur infographie, communication, et puis publicité, public relations, voilà. Alors on a côté à mon il y a IT, tout le travail mining, il y a tout le travail maintenance, puis tout le travail sur la réseau administration, et puis réseau engineering. Alors c'est un peu ça, on va au bas de la course, on va cours supplémentaire, au bas de la course